Quand je pense à ma vie en ministère, cela couvre environ 61 ans d'activité réelle, d'activité très profonde dans diverses situations avec toute une variété de personnes. Quand je prie à ce sujet et que je réfléchis à propos de moi-même en ministère, je me rends compte que je n'ai pas de ministère préféré. Chacun a été pour moi un cadeau, un don de Dieu et un don de la présence de Dieu dans ma vie. Je me souviens d'avoir été en Haïti durant une période de 5 mois et d'être très touchée par les enfants là-bas qui tendaient leurs mains et demandaient de la nourriture. Et lorsque nous avons été formés pour cette présence en Haïti, on nous a conseillé de regarder les enfants, de prendre leurs mains et de leur répondre comme à des vraies personnes. Et la formatrice a dit, « Ce qui est très important, c'est ce que vous mettez dans leurs mains, c'est ce que vous leur répondez comme à des personnes. » Et je crois que j'ai fait cela, a été un cadeau pour moi. Quand j'ai servi au Salvador, le grand don pour moi a été les familles de campesinos, plus particulièrement les mères campesinas. J'ai été étonnée et je suis encore touchée par leur gentillesse. Elles étaient si gentilles avec moi, très gentilles et aimantes. Des femmes très fortes, des femmes qui avaient souffert, mais elles ont touché ma vie beaucoup plus que je n'ai jamais touché la leur. Je pense, je crois. J'ai vécu toute ma vie en ministère. J'ai certainement reçu beaucoup plus que j'ai pu être donné ou faire. J'ai travaillé avec des personnes à faible revenu et des personnes autochtones au Montana. J'ai été tellement touchée par eux et j'ai reçu comme un grand don de leur créativité, leur souffrance et leur gentillesse envers moi. J'ai passé 10 ans à Montréal en leadership et j'ai souvenir d'à quel point tout le monde était gentil avec moi et patient et combien j'ai appris de tous. En définitive, ma partie préférée du ministère est ce que j'ai reçu de tant de gens de bien des façons. J'ai enseigné pendant 15 ans les élèves de première année. J'ai enseigné à l'école primaire de la première année jusqu'au premier cycle du secondaire. J'ai enseigné à l'école secondaire dans les années 1960, ce qui était un véritable défi, et j'ai aussi enseigné au niveau universitaire. Dans chacun de ces ministères très différents, j'ai beaucoup appris des élèves. J'ai beaucoup appris des membres du corps professoral. Espérons que mon cœur était ouvert et je crois que parfois il n'était pas aussi ouvert que je l'aurais espéré. Mais Dieu m'a nourri et m'a appris ainsi que tous ses ministères. Ma partie préférée du ministère est comment Dieu nous rencontre dans toutes les situations réelles où nous nous retrouvons. Et je suis très reconnaissante pour cela.